Bon les gars, j'ai assez de points, il faut que j'augmente les trucs. J'augmente les pistolets, on est d'accord hein. J'augmente les pistolets les gars. Putain, le choix est trop dur. Non mais on s'en fout, je vais pas l'utiliser pour discrètement, je vais l'utiliser genre clac, tu vois. Il y a un mec devant moi, clac, tu vois. Pourquoi j'utilise ça? Ah, parce que ça, je peux pas le modifier, putain. Il me faut absolument ce pistolet, les gars. Il est trop puissant. Achète le Supremo Furioso. Une explosion circulaire qui brûle les ennemis. Appuyez sur sauter pour dans les airs pour vous propulser en avant. Vous êtes d'accord les gars? C'est un jetpack? C'est vrai que je pourrais être Boba Fett là. Bidon d'essence, et bidon d'essence hautement inflammable. Bah les couilles, bidon d'essence. S'en bat les couilles. Protection mineure contre les balles à tête creuse. Au moins la capacité de munition de votre arme de poing. Non mais c'est trop bien. Récupération d'endurance. Légèrement la visière. Ah non mais attends, c'est incroyable! Y a trop de trucs incroyables, ça me casse les couilles, pourquoi j'écoute que ça? Comme maintenant! Vitesse de nage, mec. Augmente légèrement la régénération de santé. Régénération de santé débute plus tôt qu'avoir de subir. Augmente la défense contre les dégâts de chute. Légèrement la défense au corps à corps. Les gars, honnêtement, à deux doigts d'acheter le truc de la défense contre les explosions parce que les explosifs, mec, ils me mettent one shot. Hein? Del Pequeño? Del Muro? Je vais mettre vitesse de déplacement, les gars. Non mais mec, c'est incroyable! Je peux tout le temps l'utiliser! Qu'est-ce que tu fais? Lâche ça! C'est pas possible! Non. C'est moi qui ai fait ça? Oh merde, c'est moi qui brûle! C'est moi qui brûle! Ah, c'est incroyable! Non, mais c'est incroyable, les gars, c'est incroyable, c'est incroyable. Ok, le deuxième. Oh, attends, mais le deuxième, c'est un autre truc, c'est une autre catégorie? Oh, bordel! Simulation avec une arme bricolée génère une arme de charge supprimo supplémentaire. Tu as un ennemi avec le feu, génère une arme. Tu as trois ennemis rapidement générés. Ah, ok, ça sert à rien. Ok, je vais prendre le tir à la tête. Je vais laisser celui de base, les gars. Parce que les autres sont très moches. Ok, le Supremo, c'est bien, les gars. On a fait un énorme progrès. Maintenant, les gars, il faut que je dépense mes points. Ou peut-être que j'écho, les gars. Je sais pas.
Je dépense ou j'éco, les gars. L'arme que j'utilise le plus, c'est mon pistolet. Donc, si je dois dépenser, je prends le laser sur le pistolet, hein. Les gars. J'ai envie d'être roleplay, les gars. Et de prendre juste ça. Parce que ça, c'est beau, ça, c'est moche. Tiens. Et on est roleplay ou pas? On fait du roleplay ici, Pépé. 11 mois, merci mon vieux. Matman, merci. Il y a 9 minutes, 3 mois, merci mon vieux. Les gars, si je prends ça. Augmente les dégâts de l'arme lorsque vous visez. Non mais laisse tomber, frérot. Laisse tomber, frérot. Passe-passe, c'est roleplay. Les gars, passe-passe, c'est roleplay. Les dégâts, par contre, c'est pas roleplay du tout, les gars. Là, ça va chier. Après, quoique je vais headshot, donc bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? John Wick, il a pas de silencieux, on est d'accord, hein? Si, il a un silencieux. Attends, le skin d'arme. Ah oui, c'est vrai que là, il est dégueulasse, ce skin, là. Je vais prendre un bon skin. Argent traité, les gars. Ah, je peux pas l'acheter. Je peux pas l'acheter, les gars. Il a un silencieux. J'ai plus de thunes, les gars. Il faut que j'achète celui-là. Les gars. J'ai plus de thunes. J'ai plus rien, les gars. Je suis à sec, les gars. Il faut que j'enclenche, là. Il est qui, là? Il est en 43, ok, j'ai un petit peu encore, j'ai encore un peu de temps. Laser, il va faire plaisir, les gars. Est-ce que les fringues, les gars, je peux opti ou pas? Hé, attends! Est-ce que lui, il peut m'échanger des trucs? Merci. Pour la poudre à canon, par exemple? Échanger contre des pesos. Attendez! J'ai combien de pesos? J'ai 4700 pesos. Donc là, je peux acheter des trucs, là? C'est moi qui achète. Je comprends rien. Pesos Yaran par transaction. 25. Donc là, je lui donne 25 pesos et il me donne le circuit? Non, je l'ai vendu! Je l'ai vendu pour 25 pesos! Oh. Dis-moi que t'as pas sauvegardé, s'il te plaît.
J'ai plus de quête. J'ai vendu un truc qui vaut tellement cher, les gars. J'en ai marre. Putain. Fais des camps, mais comment, mec? Regarde, je peux plus rien faire là. C'est ça que tu veux que je fasse? Mec, son équipement, c'est que des fringues. C'est de la merde! Ça va? Et chorizo, devine tiens, ce que j'ai. Voilà Dani. J'ai quoi? Ça ne s'arrête jamais. Tiens, j'ai jamais vraiment aimé les chiens. Mais avec toi, c'est différent. Alors, ça devrait suffire pour qu'on devienne potes, non? Non? Donne de XP. Yes! Donne une arme. Hé, hey, tu vas où? Donne une arme. Ok, je te suis. Oh putain! Toute l'XP! Merci, Robert. Je ne dormirai plus. Qu'est-ce que t'as trouvé? Allez, vas-y, donne une arme. Bien joué, la petite saucisse. C'est pas mal, mais pas mieux faire. Attends, tu vas me refiler du stuff là? Oh Chorizo, là, le boss. T'es trop sympa avec moi. File-moi de la poudre à canon, s'il te plaît. Eh, hey, pas mal, Chorizo. Donne-moi de la poudre à canon. T'as des cachettes un peu partout? T'es un vrai guerrier. Bon chien. Clé mystérieuse. Il vend lui. Il vend. Bordel. T'es un petit cachotier, toi, hein? Ça alors? Je suis vraiment trop bébé. Oh, mec, c'est vraiment un boss, ce putain rat. Oh, ce rat, il est incroyable. Poudre à canon, les gars. Il est incroyable. Philly est au courant? Quelle question. Encore. C'est lui qui a dû te donner tout ça à planquer. Merci, Chorizo. Je crois que c'est le début d'une belle amitié. Donne-moi 10 000 d'XP. Et 2000 poudre à canon. Chorizo, c'est un amigo. Non, mais vraiment. Les gars, je vais vraiment mettre Chorizo en amigo. Chorizo jouera de son charme irrésistible pour distraire les ennemis et les exploser à votre attaque surprise. C'est bien ça! En plus, il a un chien, John Wick. C'est parfait! Quel est mon objectif? J'ai plus d'objectif. Non mais attends, j'en ai plus? Je n'ai plus d'objectif. Niveau 7.
Mec, ça c'est buggé ou pas? Tu veux d'autres joujoux? Trouve-moi de l'uranium approuvé sur les sites antiaériens et tu pourras t'éclater. Ça c'est un bug! Danny, tu devrais prendre un rancard avec l'établi. Ça fait longtemps que tu fricotes avec la CIA. Tu te trompes de question, Danny. Peu importe qu'on fricote depuis longtemps ou pas, ce qui compte, c'est de savoir qui est au-dessus. J'aurais pu me passer de cette image. Juan, mais c'est que t'aurais presque l'air heureux. J'ai mon atelier et une révolution à gagner. Mais il est bête, lui. Tout ce dont peut rêver un guerriero. Il me faut un bateau. Oh, il y a un hélico, nice. Je pense que ça ira plus vite, non? Ok, ici t'es Charlie, bravo, on y va. Merci beaucoup Mathieu pour les 3 subs. Tutur tier 1, Saikuro 3 mois, Hush 2 mois, merci Tianizua pour le tier 1, bienvenue bande de fous. Attendez, il y a un bateau là. Très bien ça. Dans le doute on tire. Go chasser des requins en hélico. C'est terrible. Et finalement, c'était bien ça. À la même vitesse, hein. On atterrit direct. Il me faut des points de respawn là-bas. Je sais pas vraiment pas quoi m'attendre. Voilà le fort. Il a l'air à l'abandon depuis un sacré moment. Hé hey, les Maximas Matanzas, Talia. Mon coffre. J'espère que Talia et Paolo s'en sont sortis. Il y a peut-être un mot. Ils voulaient que les autres les suivent.
Clara, les Maximas Matanza, c'était bien au fort. Il y a des signes de fusillade, et c'est un gros bordel. Ça leur ressemble. Tu peux suivre leur piste? Oui. Ils seront pas durs à retrouver. C'est justement ce qui m'inquiète. Dépêche, Danny. Il style mon gun avec un laser. Mec, il me faut de la poudre, là. Les catalyseurs de Supremo, je m'en branle les burnes. mètres. Non mais tu te fous de ma gueule, vraiment. Combien ça me donne des poudres, les gars? Ça me donne une poudre par avant-poste? C'est trop, c'est trop. Qu'est-ce qu'il fait, lui? C'est quoi ton problème? C'est ce que je pensais. Hé, vous avez l'œil. Gracias. Avec plaisir. Oh, 9 nouvelles caisses Libertad révélées. Ok, cool. Ouais, cash FND, ouais, mais mec, ça en donne qu'une, mec. C'est terrible. Ça en donne qu'une, mec. Ah, ça, c'est cash FND, ça? Ah, faut descendre. Attends, je vais descendre avec l'hélico. Hein. Ouais, je vais descendre avec l'hélico, les gars, ça va être réglé. Hein. On va glitcher le jeu. On va glitcher le jeu, moi je vous le dis. Je vais pas me faire baiser comme ça, moi. On va se faire baiser, hein. Ah, c'est de se faire baiser. Mec, tu vois le problème, c'est que j'ai gants d'émeute, mec. Vous voyez le problème, c'est ça le problème. J'ai gants d'émeute, mec. Alors qu'il me faut de la poudre de merde. Inga, cette musique, ça doit être les Maximas Matanzas. Non mais attends. Clara, je crois que j'ai trouvé la planque des Maximas Matanzas. Mais les soldats de Castillo étaient déjà là. On dirait qu'ils s'amusent un peu avant d'appeler des renforts. Tu sais ce qu'il faut faire, Danny. Ta carte blanche. Bien sûr, j'ai une carte blanche. Oh yes, c'est ma nouvelle base. Yes. On va pouvoir construire. Bon bah on va tester le nouvel équipement, les gars. J'espère que j'arrive pas trop tard. C'est marrant. Terminé. Ah. Qu'est-ce que tu fous? Descends-les! Bordel, à tirer! Occupe-toi d'abord de ces enfoirés! Allez, rends-toi! Je vois personne. Je vois pas. Il est au noobs. Ne bouge pas. C'est terminé. Putain, mais c'est le dernier. C'est trop facile ce jeu. J'ai brûlé toutes mes futures baraques, je vous le dis. Hein. Éteins de feu. Ah merci,
Ces enfoirés m'ont eu par surprise. Mais tu dois aller sauver Talia. Mec, c'est dangereux quand même mon truc là. Je crame tout le monde. Mais qu'est-ce que tu veux toi? L'intention de me libérer un jour ou quoi? T'es moche! Ah, bordel! Tu dois être Talia. Bouge! Sérieusement? Hé! Hey, tu crois que je peux garder ça? Non? Ouais? Putain! T'as sauvé les Maximas Matanzas! Le meilleur de tous les putains de groupes de Yara! Je m'en serais bien chargé personnellement, mais j'arrêtais pas de chialer. Dégage de là! Je suis bichot, au fait! Je suis mexicain! Libérez-moi de ce truc! Je sais que vous m'entendez! Si je te laisse sortir, tu seras bien sage? Mi amor? Je vais te tuer, Talia! Oh! Je croyais que tu voulais te planquer comme une petite salope! Tu veux crever avant d'arriver en Amérique? Wow! Trop fort, Paolo! Donc un vrai bonhomme s'occupe de sa femme en la cachant dans un marécage qui pue la merde! T'es qu'une grosse pute! Oh! Cognon. Le P-Word d'Ubisoft! What the fuck? Ok. Vous avez entendu parler de Libertad. Clara Garcia m'envoie. On était Libertad avant Libertad. D'après toi, qui a traîné Clara à sa première manif alors qu'elle squattait la bibliothèque? Je m'en fous. Clara sait que ses discours ultra chiants convaincront jamais personne. Elle a besoin d'une voix. T'en fais pas, Talia se fout du monde et de toi aussi. Bienvenue au camp Maximas. Vas-y, on va améliorer le camp. C'est des vrais bêtes. On avait... Ok, là, j'ai un nouveau camp, c'est ça? Hé hey, les gars, les soldats sont partis. Vous pouvez sortir. Ok, donc c'est en troisième personne, donc c'est bon. Des armes américaines. Ça pourrait servir à Libertad. Ah oui, donne-moi des armes américaines. Oh, je veux les armes américaines. Oh putain. J'ai une bonne nouvelle, Clara. Les Maximas Matanzas vont bien. Et ils sont même plutôt bien installés. La mauvaise, c'est qu'ils se foutent de Libertad. Laisse-leur du temps, Danny. Ils en ont bavé. On ne battra jamais Castillo sans la voix de Talia et la discipline. Ok, alors là j'ai deux slots, c'est ça hein. Donc j'ai déjà la caserne, j'ai déjà la réserve de planques. Donc là je vais faire garnison de Garayos. C'est ça pour les armes, hein, c'est ça? Là, ça y est, ça va chier, les gars. Ça y est, les gars. Et ça, j'améliore en max. Que voilà. Que de la merde la classique. Ils en ont bavé. On ne battra jamais Castille. Et j'ai pas de métal, putain, j'ai envie de chialer. Et la cantine, bonus temporaire. Non, mais ça sert à R. Hein. C'est tout ce que je fais là, les gars? Est-ce que je fais la cantine? Yo sont la voix de Talia et la discipline de Paolo. Tu dois juste leur donner un petit coup de pouce. Ok. Disons que t'as de bonnes raisons de me foutre dans ce bordel. Juan! Armée américaine, où? Tu racontes que de la merde. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. C'est aussi des musiciens. Talia attire les rêveurs suffisamment bêtes pour s'attaquer au ministère de la Culture. Moi, je vérifie qu'ils se tirent pas une balle dans la tronche. Je croyais que j'étais la seule de l'armée. Papa était instructeur. 5 générations de soldats avant moi. T'es parti? Renvoyé. Quand papa a appris que sa fille préférée était devenue un monstre. Je cite. Merde. Ouais, c'est ça les trans dans l'armée. Non, j'ai eu du bol. Talia m'a vu voler son matos, mais au lieu de me dénoncer, elle m'a mis aux platines. Libertad peut tous vous venir en aide. Libertad? Quand Castillo a gagné, on s'est rebellé avec Clara. Et tout ça pourquoi? Clara est partie jouer les guérilleras,
Talia s'est retrouvée dans l'académie à la con de Maria Marquesa, et moi je dois payer le mec qui l'a sortie de là. Qui ça? Bembe, un escroc du marché noir. Une fois qu'il aura son fric, Talia et moi on se casse de ce putain d'endroit. Laisse-moi t'aider, Paolo. Je suis pas du genre à faire le crevard. Ok. Pourquoi est-ce que t'as quitté l'armée? J'ai frappé mon instructeur en plein dans la glotte. J'avoue que je suis pas du matin. Segunda. Bembe trafique dans l'église. Tu racontes ta life, tout ça pour me dire d'aller dans l'église, frérot, pour aller choper les Américains. Moi, je veux les âmes américaines. Juan, j'ai une piste sur une cargaison d'armes américaines. Ça t'intéresse? Si ça m'intéresse? Tu veux rire? Je viens d'avoir un orgasme sans les mains. Tiens-moi au courant. C'est dégueu. Mais ouais, ok. Danny, t'es où? On a besoin de toi, Esperanza, tout de suite. Ok, Clara. J'arrive. Bonjour. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Tout le monde m'appelle dans tous les sens, taisez-vous! J'espère que tu vas nous aider. Attends, il me faut juste le... Comment il est cancer ce... Comment il est cancer cette base? En plus, tu peux à peine courir. Enfin. Danny. Toujours rien de dispo. Un circuit, ça coûte 150. J'ai envie de chialer, putain de merde. Mais comment ça se fait que j'ai toujours pas de chef, les gars? Qui a fait ce camp de cancer là? Ça, ça donne de la poudre, non? Cinquante de métal, ça. Oh le bâtard. 150 d'XP. En vrai, je commence à m'en battre les couilles de ces courses de merde. Il y a vraiment de la pêche, les gars. Surfer sur les vagues. Danny, oh, c'est Talia. Ah, tu veux me parler maintenant? Non, je veux te voir. Retrouve-moi aux eaux près de la Batidora, l'attraction qui te balance de haut en bas. Ok, ça je sais faire, ça je sais faire. Ça je sais faire, ça je sais faire. Si c'est pour un rencard bien pourri... Contente-toi de ramener ton cul. Et dis rien à Paolo. Il n'y a qu'une idée en tête, me ramener au marais. T'as déjà dévalé une cascade en aéroglisseur? Parce que c'est ce qui t'attend là. Faut le faire au moins une fois dans sa vie. Ah, je suis en aéroglisseur hein. C'est bien à chier hein. L'aéroglisseur, ah, en vrai c'est pas mal hein. Parce que du coup, t'es jamais dérangé, genre que tu sois sur la terre ou l'eau. C'est pas mal ça. Les courses, j'adore, ça te fait faire la visite.
Par contre, c'est vraiment dommage, tu peux pas t'arrêter. En vrai, je pourrais, hein. 45 secondes d'avance, là, je pourrais largement m'arrêter, hein. Oh, il y a des mines, il y a des mines. Putain, ça me fait visiter tout le jeu là. Toute la map là, allô. Oh, pas mal ça, hein. What the fuck. C'est vraiment bien l'aéroglisseur, hein. Oh, t'as vu, il y avait un coffre secret là ici. Il y a un coffre secret. Poudre, 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 poudre. Pauvre con. Je sais que Paolo est bien occupé avec le camp, mais on a besoin de tout le monde. Ça me casse les couilles de nager, vraiment. Y'a pas un véhicule ? C'est vraiment pas fait pour ça, hein. 50% les gars de conduire dans la merde. Range cette arme maintenant. Gracias. Pas de quoi. Merde, oh merde. Clara, c'est mon jour de chance.
J'ai trouvé le studio de Maria. Poudre. Ils ont capturé l'une de nos camarades. On pense qu'ils la retiennent prisonnière là-bas. Libère-la. Et Dani, c'est une vraie usine à propagande pour Castillo. Alors il faut frapper fort. Compris. Merci, Clara. Alors, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Bon, les gars, il est l'heure de nettoyer notre dernière base de la soirée avant de terminer ça, mesdames et messieurs. C'est parti. La dernière base de la soirée, les gars. Ok, reste sur tes gardes. J'aime bien recharger tout là. Clic-clac, 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 clic-clac. Faut tirer sur sa queue à lui là.
Aïe aïe aïe, c'est un joli nettoyage, mesdames et messieurs, c'est un joli nettoyage. On a fait des petits switchs. On a fait des petits switchs sympas, mais je pense que ça manque encore de clinitude là. T'sais. Parce qu'en fait, peut-être qu'il faudrait que je joue la grenade qui spot les ennemis. Ouais, peut-être que je joue la grenade qui spot les ennemis. Niveau 7, en tout cas on roule. Hey, viens par là. Faut des circuits là, putain. M9, wouhou, putain. Du coup, j'ai débloqué le skin, non? Nickel. Ouais, j'ai le skin argenté là, c'est bien là, les gars. On est très propre là. Bon, c'est juste mon stuff, il est très moche. Mais... faut que j'aille vers la boutique. Métal, hein. Il me faut du métal, les gars. Putain, mais j'ai pas de circuit, les gars. J'ai vendu. Oh putain, c'est quoi ça? The Zito. What the fuck, c'est quoi ça? BP2. Restez à balle tirée après avoir tiré. Oh oh, restitue la balle tirée après avoir tiré dans la tête. Non mais là, what the fuck. Ah ouais, non, ça va partir. C'est bien ça, The Zito, ou pas? Pour modifier le skin de tes vêtements sans perdre le bonus, va sur ton vêtement, puis fais inspecter et en bas à gauche, tu peux modifier. Mets un terme au condé. Pardon? Oh. 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 Augmente la quantité de matériaux de vibration récupérés. Oh putain. T'as dit quoi? Sans perdre. Tu fais inspecter, puis en bas à gauche. Oh putain! T'es mes bêtises! Soit j'ai passé ma meilleure soirée de l'année et finir cette soirée avec toi sur le jeu que je joue le plus, c'est ce qu'il y a le plus kiffant. Mec, trop content. Merci pour les voici vibes, mec. Merci également pour beaucoup d'argent. Merci, mon pote, t'es un amour. Merci, mec. Mais les gars, mon torse, il est très bien, non? En mode John Wick. Il est très bien, mon torse John Wick, là. Le torse, il est très bien, mais par contre, on peut peut-être faire ça sur les jambes. Et encore. Putain.
Les gars, il y a tellement de trucs. Augmente les dégâts des armes contre les véhicules volants. Oh, ça peut être bien ça, putain. Ça, les gars, augmente. Ça, c'est un truc, mais extrêmement cheaté, les gars. En vrai, vas-y. Je vais mettre ça. Ouais, défense contre le feu, vas-y, rien à foutre. En fait, je suis habillé en cyberpunk, là, ça va pas du tout, là. Ouais, de toute façon, je préfère celui-là. Ok. Non, je préfère celui-là. C'est quoi, des ennemis auront plus de mal à vous renverser. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça, les gars? Vitesse de déplacement après avoir tiré à la tête. Mais les gars, je sais pas si ça se cumule avec ma glissade, mais je pense que ça vaut pas le coup. J'avais vu un truc qui augmentait la vitesse de déplacement lorsque j'étais accroupi. Et ça peut être grave cool. Bah, il a disparu. C'est la même chose, les gars. C'est la même chose. C'est l'enfer. Le truc accroupi, ça peut être pas mal. Bon, bah voilà. Hein. Comment ça, mon M9 fait moins de dégâts? Attendez. Pardon? Comment ça, mon M9 Rambo Six Siege que j'ai acheté fait moins de dégâts? Ah, c'est des stats complètement différentes parce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté? Esclavage dans mon ton. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ouais, bah c'est ça. Je vais le prendre. Je vais prendre ça. Ça sert à rien, ça. Voilà, par contre, on va changer de skin de ça parce que c'est dégueulasse. Ça sert à quoi le full set, les gars? Ça sert à quoi d'avoir le full set? C'est plus stylé, c'est juste le style. Attends, je vais faire ça avant de partir. Non, on va faire ça avant de partir. Ouais. Juste un véhicule. Pas un petit hélicoptère là?
Ah putain, elle a pas d'hélicoptère cette base. Elle me casse déjà les couilles cette base. Je vais prendre le 4x4 les gars. Tu vois pourquoi tu peux pas les appeler ces véhicules? Même pas tirer. Attends, ça veut dire que si je sors maintenant et qu'après le truc il va être là-bas à tous les coups, putain, j'aurai rien pour y aller. Mais c'est pas grave, je me démerderai. Ah ouais, je vais vraiment beaucoup plus vite accroupi. Hein. Ça, c'est cool. Hein. Largage à destination. On y va, les gars. On approche. Ça devrait à tous les coups, là, il y a un saut à faire. Là. Merci. On est en route. Je parie que ces soldats ont pas autant besoin de ce matos que moi. Oh putain, tu peux appeler une caisse. Wow. Voilà pourquoi. Les Oloises doivent venir sur moi. Ouais, la connexion internet est pourrie et toutes les fois... Les gars, j'ai même pas besoin de recharger. J'ai même pas besoin de recharger les gars parce que je mets... quand je mets une balle dans la tête... Oh, c'est trop cheaté. Mec, j'ai beaucoup à faire là. Je pense que je vais suivre la route. Je vais suivre la route, les gars. Je vais faire le saut. Bon, je vais gagner pas mal de temps, mais j'aurais dû réparer mon véhicule, je pense. Ces guerriers russes s'en sortiront pas tout seuls. Je serai bienvenu. Je vois plus où je vais. Ok. On y va les gars, la dernière course. T'es où, Zola? Non, tu croyais que j'allais me téléporter ou quoi? Désagréable. Je suis désagréable quand on m'emmerde. 2 minutes 42. En arrivant. Bordel. T'as du temps, Dani. Continue. C'est pour moi! Qu'est-ce que tu fais là? Ça fait le fini les coups! Oh.
Dani, t'as encore brillé. Putain, catalyseur, mec, ça casse les couilles. Résistant, putain. Je vais lui mettre une de ces pilules, lui, les gars. Ça va être vite vu. Non, vraiment, ils m'ont cassé les couilles, ces hélicos de merde. Lance-toi, Dani. Super, y'en a aucun qui a touché. De merde, comment je fais? Pire arme du jeu, on est d'accord, hein. On est vraiment d'accord. On est tous d'accord, les gars, pire arme du putain de jeu. D'ailleurs, c'est quoi mon V? J'ai jamais utilisé mon V, tiens. Putain, j'ai vraiment aucune arme pour baiser cet enfoiré. Aucune. Mais le mec il est invisible en fait. Allez, dégage bâtard. Qui veut de l'aide? Tiens. Ok, mesdames et messieurs. Ok, mesdames et messieurs. Il est quoi? Il est quoi? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Ou 3h du matin? Ouf, putain, c'est trop. Bon, est-ce que je peux me téléporter maintenant? C'est bon? V avant de partir. Ok. Boba Fett, hein. Je suis Boba Fett. C'est là l'hélico, non? Ok, bon bah voilà les gars, hein. C'est vraiment. Et les gars, j'ai l'impression que j'avance absolument pas, les gars. C'est terrible. Mais vraiment, quel kiff, hein, putain.